Salut les barbus. Il y a de ça quelques semaines, je vous parlais de dépression chronique que j'avais plus ou moins régulièrement. Comme un peu ce week-end, alors j'ai passé un peu de temps à monter l'épisode 155, et puis j'ai passé beaucoup de temps à flemmarder dans le lit, à regarder les conneries sur YouTube, et à pas être super productif. Un des moyens pour moi de sortir d'une certaine façon de cette dépression, c'est de ranger mon environnement. N'importe quoi. Alors, je vis dans un tout petit appart, enfin dans un espèce de studio de 30 mètres carrés. Pas beaucoup de place. J'essaye de faire en sorte que mon environnement de vie soit le plus optimisé possible par rapport à la place que j'ai. Mais, de temps en temps, il y a besoin de faire un bon petit coup de rangement. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais ranger un peu le bordel. Je vais commencer par ma table et mon espace de travail. Je vais continuer avec mes vieilles fringues, enfin mes fringues, qu'il faut que je lave et que je range. Je vais enchaîner avec mon établi et je vais finir par la cuisine. Et j'ai en profité pour écouter des podcasts. Voilà. Allez, c'est parti. Rangement est presque fini, mais ça fait du bien, un bureau bien propre, un établi qui est nickel, et j'ai des trucs à donner, et j'ai des trucs à vendre. J'ai une lampe de bureau, si quelqu'un en veut. J'ai une carte mère Dell, avec un processeur Xeon. Je voulais monter une machine avec, et en fait, j'en ai pas besoin. Donc si ça intéresse quelqu'un, envoyez-moi un petit mail. Deux pédaliers BMX, qui étaient mes anciens pédaliers de vélo. Bon alors la peinture s'est un peu barrée sur les côtés, mais c'est encore nickel. Je sais pas, je les vends 5 balles ou alors une bière, tiens. Le 3 en 1, Bosch Uneo, qui fait visseuse, perceuse et truc à percussion. Alors c'est 18 volts, j'ai le chargeur, j'ai la batterie. Le prix magasin varie entre 100 balles et 150 balles. 50 balles. Et alors c'est du SDS et je le fournis avec les outils qui étaient avec, c'est-à-dire des mèches et des trucs pour visser. Si j'arrive à me faire 50 balles, ça me permettra d'acheter du matos pour d'autres épisodes, qui est une scie plongeante Bosch Pro, parce que c'est du bleu, qui est le matos de ouf, vraiment vraiment pro, qui est la GKT55 GCE, donc la scie plongeante, qui a une scie de diamètre de 165 mm. C'est vraiment du super bon matos, et c'est carrément trop overkill pour ce que j'en fais, et
Et surtout, je l'ai utilisé plusieurs fois, ça fait beaucoup trop de poussière pour chez moi. Si quelqu'un veut me faire une proposition, alors normalement, ça coûte presque 400 balles. Ça coûte presque 400 balles. Je suis prêt à la laisser partir pour 150 balles si ça va dans une bonne maison. Donc GKT 55 GCE professionnel, qui est marqué là. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit mail, un petit tweet, comme d'habitude, premier arrivé, premier servi. Ça m'a permis de mettre une petite suée, de ranger un peu le bordel, et c'est vrai que ben, psychologiquement, ça va un peu mieux. Allez savoir, est-ce que c'est une recette pour sortir de la dépression ? Je suis pas sûr, mais en tout cas, ça contribue à faire un environnement plus sympa. Je voulais aussi en profiter pour remercier tous les barbus qui ont laissé des commentaires sur ma vidéo sur la dépression, qui m'ont envoyé des mails, envoyé des tweets, etc. etc. D'abord, merci à vous, ça fait très plaisir. C'est un sujet qui est un peu difficile, qui est pas très joyeux, et qui sort un peu de l'ordinaire de ce qu'on voit sur YouTube. Et, a priori, c'est quelque chose que vous avez apprécié. Donc, je risque de faire d'autres vidéos dans ce genre-là. Je vais en faire une sur la drogue. Et puis, bah, pour tous ceux qui sont un peu comme moi, dépressifs chroniques, tenez la rampe, bordel de merde. Ça ira mieux. Et puis que la barbitude soit avec vous. Et à bientôt.